Bonjour, bienvenue à Tocoman. Aujourd'hui, on va faire un bracelet en élastique avec trois doigts. On va avoir besoin du pouce, de l'index et du majeur. On va aussi utiliser des élastiques et un fermoir. Moi, je vais le faire d'une seule couleur, mais si vous le désirez, vous pouvez utiliser les couleurs que vous voulez. Juste, il faut donc les intercaler. On va commencer avec l'élastique blanc, donc qui se trouve aux extrémités. On les tire, on va la mettre entre les trois doigts de manière à ce que ça reste, voilà, comme ceci. On va prendre le majeur, donc on va croiser l'élastique, on va faire la même chose avec le second doigt et aussi avec le pouce. Comme ceci, voilà. Donc nous avons au centre un triangle. Maintenant, on va prendre le second élastique et on va la mettre, voilà, comme ceci, normal. Maintenant, on prend la gomme d'en bas, on la sort et on la passe par-dessus. Et on fait la même chose des trois côtés. Donc, on la sort et on la passe par-dessus. Maintenant, c'est tout le temps la même chose. Un élastique de couleur. On la met entre les trois doigts, on prend celle d'en bas, on la sort et on la passe par-dessus. Et ceci toujours avec les trois doigts. Et maintenant, on va encore faire la même chose. On prend celle d'en bas, on la passe par-dessus. Donc, il faudra toujours baisser un peu les élastiques, hein, parce que automatiquement, donc ça, voilà, ça remonte. Donc on étire la part d'en bas pour que ça reste comme ce bracelet. Lorsque vous arrivez à la fin, on prend l'élastique blanc ou la couleur qui vous intéresse. On la passe entre les doigts et on prend l'élastique en bas et on le passe par-dessus. Et maintenant, on va passer d'une extrémité à l'autre, de celui-ci à celui-là. Et on prend les deux élastiques et on le passe avec le troisième autour du pouce. Et maintenant, simplement, voilà, il suffit de passer le fermoir. Moi, ce que je fais, je les passe entre les deux doigts pour que ça soit plus facile. On le passe par là et ça y est. On l'étire un peu. Et maintenant, on n'a plus qu'à le accrocher de l'autre côté. Et maintenant, on a notre bracelet à trois doigts fini. J'espère que ça vous a plu et qu'on se verra donc très prochainement dans notre prochaine vidéo. Bye bye!